sun and rising fire in the sky. Quickness thrusts itself into our lives. Salut tout le monde, c'est GS Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez intéressante où je vais vous présenter un nouveau concept. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept que je vais peut-être commencer aujourd'hui dans la chaîne. Et donc, c'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application avec laquelle je vais utiliser ce concept. Et je sais, ça va être assez cool. Vous allez pouvoir participer là-dedans. Vous allez pouvoir participer à ce concept. Ça va être assez intéressant. Donc, ça a toujours un rapport avec le Beyblade, bien évidemment. Parce que le Beyblade, c'est ma passion. C'est quelque chose que jamais je n'arrêterai de croire. Jamais je n'arrêterai de croire au Beyblade. Jamais. Je n'arrêterai de jouer au Beyblade, sûrement. Et donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous présenter aujourd'hui une application pour le Beyblade. C'est pas nécessairement fait pour le Beyblade, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. Mais on peut l'utiliser pour le Beyblade aussi. Donc, on va y aller tout de suite, sans plus tarder. Let's go! Eh bien, mes chers amis, on se retrouve sur Winner, l'application Winner. L'application pour des tournois, regardez, j'ai fait déjà trois tournois. Un Beyblade, Ligue 1, BB, W, BBA. J'ai fait trois tournois. J'ai fait plus de tournois de Beyblade. Mais bon, je vais vous montrer aujourd'hui comment cette application marche. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie, quel genre de tournoi ça peut faire, et le potentiel de cette application. Je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on peut supprimer facilement des tournois en mettant sur la petite poubelle. Regardez. Par exemple, mon dernier tournoi, vous voyez, la finale, si on va dans. Vous voyez, on a tous les combats. En fait, vous savez, quand on fait des tournois, officiels, comme j'ai déjà fait, on utilise souvent cette application pour, parce que eux autres, ils utilisent cette application pour générer les combats, pour déterminer la date et l'heure aussi des combats. Voilà, ils utilisent ça pour déterminer la date et l'heure et tout, donc voilà quoi. Donc vous voyez, on a un tournoi, un petit tournoi simple. Et sans étonnement, le grand vainqueur de la finale, c'est Emperor Fornius. Avec un score de 3-0 contre Arc Balkesh quand même. Arc Balkesh qui était il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps, quand même, Arc Balkesh était le boss, le maître de Mitoubi. Et donc, on va créer un petit tournoi ensemble. On va faire plus, créer un nouveau tournoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nommer. Coupe GX. Vous allez bientôt voir, et là on sélectionne un type de tournoi, ok? Vous avez un hockey, baby foot, badminton, plein de trucs, genre baseball, grilling, fléchette, plein de trucs, même dans l'esprit, vous avez tout, carrément tout, rien que vous avez pas joué vidéo, rien, aucun type de tournoi que vous avez pas, vous avez même autre. Nous on va se concentrer sur le autre parce qu'il n'y a pas de tournoi nécessairement baby. Mais voilà, on va jouer individuel. Vous pouvez jouer, mais pas du tournoi d'équipe. On va le faire privé, mais on va le mettre en public, ce tournoi. Vous allez comprendre. Sélectionner un format. Donc, vous avez plus. Donc, vous avez plusieurs choix de format. Ligue éliminatoire, Ligue plus éliminatoire.
groupe plus éliminatoire plus personnalisé. Donc, on va se faire. Un éliminatoire. Même une ligue. Une ligue plus éliminatoire. Voilà. Donc là, regardez, on a notre coupe GX qui vient d'être créée. Maintenant, on fait éliminatoire. Vous pouvez choisir soit la ligue ou soit l'éliminatoire. D'accord, nous on va commencer par la ligue. On va faire les deux, vous inquiétez pas, on va faire les deux. Donc on va l'appeler. Championnat. GX. Nombre de rencontres 2. Point pour une victoire 3. Point pour un nul. Bon, ok. On va garder ça à 1. Point pour une défaite 0. Bon. Il n'y a pas nécessairement de faire de défaite non plus, mais bon. Donc les joueurs. On va tous sélectionner. Vous allez devoir créer. Si vous voulez installer l'application, vous allez devoir créer vos propres joueurs. Moi, mes joueurs, ce sont tout simplement. Ça va être trop mal. Donc, voilà. On a tous sélectionné. On va se le faire ensemble ce tournoi, vous inquiétez pas. Et voilà. Ajoutez un message. Parce qu'il y a 0 points, 0 défaites. Je vais vous expliquer le concept aujourd'hui. C'est pas compliqué. Le concept, c'est tout simplement qu'on va faire le tournoi ensemble sur la chaîne. Mais ça va pas être que ça. C'est pas juste moi qui va faire le tournoi. Vous savez, on est 18 abonnés sur la chaîne. On est 18, j'aimerais bien en avoir plusieurs. J'aimerais bien en avoir précisément dans la trentaine pour que ça marche mieux, je dirais, dans la trentaine. Ça aurait peut-être été mieux, mais avec 18, on va faire le tournoi. Donc, comment ça va marcher? C'est que, on va faire le tournoi, mais c'est pas moi qui va jouer, c'est vous. Ça va être comme vous qui allez être les tourbillés. Ben, c'est comme vous qui allez jouer pour le tournoi. Je sais pas si vous comprenez, mais vous allez devoir m'écrire dans les commentaires pour vous inscrire dans le tournoi. Vous allez devoir m'écrire dans les commentaires que vous voulez participer et que vous voulez vous inscrire dans le tournoi. Et donc, vous allez me dire la toupie que vous voulez incarner, la toupie que vous voulez avoir. Et je vais en prendre note. Je vais vraiment en prendre note. Et à chaque fois que ce sera votre tour de combattre, à chaque fois que votre toupie va combattre, je vais faire une dédicace dans la vidéo. Dans la vidéo du combat que je vais vous faire. Donc, à vous de choisir la toupie que vous voulez. S'il y a une toupie qui est déjà prise, que vous voulez qui est déjà prise, ben voilà, je vais vous le dire, je vais vous répondre à votre commentaire pour vous dire que
au pire, checkez dans les commentaires un peu pour voir quel toupie qui a été nommé. Au pire, je vous dirai en réponse que la toupie en tant que telle a déjà été prise. Mais vous, si vous voulez voir quelles toupies sont disponibles, allez checker, reculez un petit peu dans la vidéo. Je vous ai montré les concurrents, les participants du tournoi. Et si j'aurais été un plus gros YouTuber, ben toi, si j'aurais vraiment eu des milliers d'abonnés, j'aurais fait gagner une toupie. Vous savez, comme Beyblade Geek, Draco Light et toutes ces affaires-là, ils font gagner des toupies. Mais moi, je suis pas encore assez gros, j'ai pas une assez grosse communauté pour faire ça. Je sais pas ce que je vais faire pour vous, mais je vais vous faire une dédicace à chaque fois que votre toupie va combattre. Je vous le promets. C'est un concept que j'aime, que j'aimerais essayer. C'est un essai qu'on fait, mais j'aimerais vraiment, mais vraiment beaucoup que vous participiez à ça. Ce serait vraiment gentil de votre part, ce serait vraiment cool et ça ferait vivre la chaîne. À mon avis, ça ferait vraiment vivre la chaîne. Ce serait un bon atout. Ce serait vraiment, vraiment très intéressant. Et j'espère que vous allez participer vraiment. Et voilà quoi. On va se retrouver la prochaine fois. Pour, ben, en fait, je commencerai pas le tournoi. Je commencerai pas ce tournoi tant que il y a pas assez de participants. Faut qu'il y ait au moins une dizaine même. Faudrait peut-être même que tous les abonnés participent. On est quand même 28, on est quand même 18 abonnés. C'est pas beaucoup. J'aimerais ça qu'au moins... Au moins le trois quarts de vous participent. Au moins 10 d'entre vous, j'aimerais que vous participiez quand même. Ce serait vraiment gentil. Et au pire, Firewolf, si tu vois cette vidéo, dis-le, fais le message à tes abonnés, à toi aussi. Comme ça, ils vont pouvoir venir checker, mets le lien de ma vidéo dans une de tes descriptions. Parle-en dans une de tes descriptions. Mais c'est comme ça, on va avoir encore plus de fun parce qu'on va avoir encore plus de monde dans le tournoi. Et à vous de choisir la toupie que vous voulez, qui sortira vainqueur de ce tournoi. On ne sait pas. Mais forcément que quelqu'un sortira vainqueur de ce tournoi. Et donc... vous ne pouvez pas, par contre, il y a une règle qui va s'appliquer, vous ne pouvez pas choisir le boss de mes toupies. Ben, le boss de mes toupies parce que, tu sais, ça pourrait être facile, genre, tu sais, je vous ai montré que Fornius est devenu le boss de mes toupies, mais ça pourrait être facile. Ah, oh, moi, je prends Fornius tout de suite. Tu sais, le mec, il va vouloir tout de suite prendre Fornius pour être sûr de gagner. Mais non, non, Fornius, je sais même pas si on va la mettre dans le tournoi parce que je viens juste de vous dire que Fornius était le boss. Fait ça va être trop facile pour vous de choisir quel toupie il faut gagner. Donc voilà, je sais pas si on va mettre Fornius, peut-être qu'on va la mettre, je sais pas, c'est encore à voir, mais ça dépend de votre participation aussi. Je commencerai pas le tournoi tant et aussi longtemps que vous aurez pas assez participé, qu'il n'y aura pas eu assez de participants. Mais aussi, Firewolf, je tiens à te dire, s'il te plaît, ne me vole pas cette idée parce que ça, c'est... Ne me vole pas ce concept-là parce que ça, c'est un concept que j'aimerais garder unique à ma chaîne. Toi, tu pourrais faire plein d'autres concepts, mais ce concept-là, tu peux te baser sur des concepts que je fais, des trucs que je fais, mais pas ça parce que ça, je trouve que c'est unique à ma chaîne et j'aimerais garder ça comme ça, unique pour moi, genre. Parce que chaque chaîne YouTube se doit d'être unique en son genre et j'aimerais ça que tu ne me copies pas trop là-dessus, tu vois. Donc voilà. On se retrouve sûrement, peut-être, dépendamment de vous, dans le tournoi. Alors, participez vraiment. Dites-moi la toupie que vous voulez. Regardez plus tôt dans la vidéo. Je vous les ai montré, mes toupies. Et je vous ferai une dédicace. N'oubliez pas à chaque fois. À chaque fois que vous allez combattre. Allez, à plus les potos.